Coucou Cécile. Salut. Ça va bien? Oui, et toi? Bon, on se croise aujourd'hui. Tu m'invites non pas au comptoir, mais tu m'invites dans un restaurant de kebab pour manger un kebab. Sans gluten. Bon, alors c'est une première pour moi, et c'est normal parce que c'est une première mondiale même. Voilà. C'est que ça consiste en quoi de manger un kebab sans gluten? Pourquoi un kebab sans gluten d'ailleurs? Et ben en fait parce que je suis intolérante au gluten et donc je ne peux pas manger du blé ou du seigle, orge et ce qu'il y a dans le pain. Ouais. Et donc du coup on a fait des pains spéciaux pour que ce soit sans gluten. Et on a développé une recette spéciale et donc on fait ça chez Our. Et là c'est les premiers kebabs que je peux manger. Donc ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Hein. Voilà, c'est pareil en fait, il a comment pareil. C'est la même chose, ouais. Mais c'est juste le pain est fait avec d'autres choses que le blé, donc c'est du riz, du maïs, du tapioca, donc voilà, d'autres céréales. Mm-hmm. Mais en soi ça change rien, n'importe qui peut le manger, ce sera juste plus digeste pour des gens qui ne supportent pas le blé. Ouais. Et donc du coup, toi tu es intolérant au gluten, comme tu dis, tu as créé un site qui s'appelle Because Gustave. On va y revenir. Mais justement, là, je vois, t'as du bionade, t'as ton pain sans gluten. C'est compliqué de manger sans gluten aujourd'hui à Paris? Et ben, justement, en fait, c'est pour ça que j'ai lancé Because Gustave, parce qu'au quotidien, c'était pas facile de trouver des trucs sans gluten. Et donc, du coup, je me suis dit, je suis allée voir des sans gluten pour leur demander un peu comment ça se passait. Ils m'ont tous dit, c'est super galère à l'extérieur. Et donc, du coup, j'ai créé ce site pour justement référencer toutes les bonnes adresses. Et aussi, j'ai eu l'occasion avec Damien de créer ce kebab. Il y a des trucs qui n'existent pas, le kebab sans gluten, ça n'existait pas encore, donc on s'est dit, pourquoi pas le faire. Donc ouais. Voilà, donc en gros, c'est toutes les adresses, les questions que les gens se posent sur le sans gluten, et voilà. Et tu te fais aujourd'hui chez Our, parce que justement, dans la rue de Paradis, dans le 10e arrondissement de Paris, c'est un peu une sorte de triangle d'or, ce que tu m'expliquais un petit peu avant. Ouais, du sans gluten. D'accord. Et donc du coup, il y a un vrai marché qui se met en place au fur et à mesure, il y a un vrai besoin. Mm-hmm. En gros, là dans le coin, il y a énormément de restaurants sans gluten, il y a l'association des intolérants au gluten. Our ouvrait une nouvelle adresse et on s'est dit, on sera au milieu de plein d'endroits pour les sans gluten. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas justement quelque chose à la carte? Là où les gens viennent, c'est super. Donc voilà, ça s'est fait un peu naturellement et puis c'est pas très loin de chez moi, donc c'est super pratique. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui mangent sans gluten en France? Et si on prend les chiffres, normalement il y a 1% de la population qui est cœliaque, mais ça c'est les gens qui sont diagnostiqués. Et sinon il y a... Attends, mais parle pas en scrabble là, cœliaque ça veut dire quoi? Cœliaque c'est la maladie auto-immune, les gens qui sont allergiques au gluten. Comme toi? Moi je sais pas si je suis cœliaque ou pas parce que j'ai pas fait le test. D'accord. Donc voilà, eux c'est eux qu'on appelle les intolérants. Après il y a les sensibles, c'est ceux qui ne le digèrent pas, mais on n'a pas de test. Donc du coup eux on les comptabilise pas. Mais par contre on sait pas combien ils sont et ça peut être 20-40% de la population. Les gens qui se sentent un peu mal après avoir mangé un sandwich et tout, c'est qu'ils digèrent pas très bien le blé. Ils sont pas au point d'arrêter le sandwich et tout. Il y en a d'autres qui le digèrent vachement moins bien. Et qui du coup là ont besoin d'arrêter et du coup ça leur fait du bien. D'accord. Sinon là on les compte pas toujours dans les stats. Et du coup, oui, il y a de plus en plus de gens qui mangent du sans gluten puisque les ventes de sans gluten sont en forte croissance, c'est plus 30% par an. Donc preuve qu'il n'y a pas que les 1% de la population qui mange du sans gluten. Ouais. Et en fait ce qui est intéressant c'est qu'on parle de régime sans gluten, mais c'est pas du tout un régime. Hein. Parce que là c'est aussi gras, mon bide va pas forcément me faire la gueule. Parce que derrière, je mange un kebab sans gluten. Non. En gros, il y a un effet de mode qu'il faut totalement oublier. En gros, parce qu'il y a le mot régime, les gens se disent, et parce que il y a des gens qui vont dire, oui, c'est mieux pour moi, je me sens mieux. Il y a un amalgame avec celle-ci, c'est bien pour ma ligne et tout. Mmh. Alors que ça ne fait pas plus maigrir ou plus grossir. Il y a des gens chez qui, arrêter le gluten, ils vont mieux manger. D'autres qui vont se rabattre sur des trucs qui sont tout aussi dégueulasses, donc ça ne va pas les faire maigrir. Mais non, les kebabs, ça reste un kebab. Là, c'est un très bon kebab, donc voilà, c'est pas n'importe quoi dedans. Mais si tu remplaces des trucs sans gluten de merde par. Enfin, des trucs avec gluten de merde par des trucs sans gluten de merde, c'est la même chose. Ouais. Non, mais je reconnais, pour encore le dire, le pain est clairement différent. Et c'est pas négatif, ça change de goût. Mm-hmm. Il y a un peu trop de salade, hein. Il y a beaucoup trop de beurre. Mm-hmm. Mais ça va. Alors parle-moi de Because Gustave, pourquoi ce site, tu m'as expliqué, pourquoi ce nom? Parce que justement, à chaque fois on a tellement besoin de se justifier pourquoi est-ce qu'on mange différemment, pourquoi est-ce qu'on peut pas faire comme les autres, et sans gluten se sentent vachement stigmatisés, et du coup j'avais besoin d'expliquer un petit peu ce que c'était le sans gluten.
ça effraie un peu les gens, donc du coup de les rassurer, leur dire bah c'est pas non plus la mort et c'est simple en fait de pouvoir switcher et trouver des trucs sans gluten. Et puis de leur donner toutes les astuces justement pour le faire et pour leur montrer que c'était simple. Et puis parce que Gustave en fait c'est mon chat. Les chats tolérant à tout, voilà. Presque de service. Non mais c'est cool et tu l'as créé donc du coup en début d'année. Ouais, le 20 janvier. Ouais. Où tu donnes des conseils, des recettes, des lieux. Surtout des restaurants et puis des articles sur l'actu du sans gluten, où on est à la recherche, qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce qu'il faut se faire dépister quand on arrête le sans gluten, qu'est-ce qu'il faut faire. Puis voilà, toutes les actus, tout ce qui se lance, les actus kebab, voilà. Ouais, forcément une évidence quand tu manges voilà. Quand tu manges pas de gluten. Alors aujourd'hui, c'est un site, c'est un partenariat aujourd'hui avec le restaurant Cour pour lancer ce kebab. C'est quoi la suite demain, des projets? Alors justement, c'est la suite des projets, bah, d'autres collaborations pour développer des nouveaux produits ou d'autres offres restaurants. Ça peut être aussi des soirées pour mettre en relation les marques et les produits sans gluten qui voudraient découvrir de nouveaux produits. Et puis ça peut être aussi des formations ou des sondages pour que les marques comprennent aussi qu'est-ce que c'est que les sans gluten et que les sans gluten aussi puissent leur dire bah, moi j'ai envie de ça et d'être un peu l'ambassadrice entre les sans gluten et les marques de sans gluten ou les marques qui s'intéressent à eux et voudraient les toucher. Réunir ces deux mondes qui tout opposent. Bon, en même temps, c'est quand même plutôt pas mal. Je te remercie pour ce kebab. Tu m'invites, hein, c'est ça? C'est cool. Je te remercie, Cécile. À une prochaine. Merci. C'est très bien. Putain, on prend de m'en foutre partout.